Ce sont les mêmes règles que le volleyball des valides, sauf qu'au moment du contact sur le ballon, on doit avoir minimum une des fesses qui soit en contact avec le sol. Si le joueur prend appui sur ses moignons ou sur sa main pour se surélever du sol, pour gagner en hauteur, pour pouvoir intervenir sur le ballon, c'est considéré comme une faute. Ça joue ! Reste là ! C'est très exigeant parce qu'on est à l'affût de toutes les balles qui arrivent. On a le regard devant, on a le regard sur le côté, on a le regard parfois même derrière. On pourrait croire qu'on a un troisième œil derrière. Voilà, c'est assez complet comme sport. Et on n'a pas l'impression comme ça, mais moi je ressors, je suis éreintée, je suis fatiguée. Avantage ici. On peut imaginer que finalement les joueuses ont un périmètre de 2 mètres sur 2 mètres à défendre pour une grande envergure, mais du coup il faut du déplacement. Et ces déplacements-là, on le fait essentiellement avec les membres supérieurs, et c'est des muscles qu'on utilise peu, et donc il faut une grande force abdominale et aussi des bras, qui fait que c'est un sport à haute intensité énergétique. Avant qu'elle ait touché la balle, il faut qu'elle sache où mettre la balle. Ce qui me plaît dans le volley assis, c'est que ça s'adapte à tous les handicaps. Là, on n'est pas obligé de tricher, de cacher ses petites défaillances. C'est aussi le fait que ce soit un sport collectif, ça fait du bien de pouvoir se reposer aussi sur les filles. On est sur une période de construction d'un nouveau cycle. Le volleyball demande un niveau technique et un bagage et un langage et une culture d'un sport qui se construit très lentement. Il y a un bon dynamisme, il y a un bon groupe qui est sain et on est vraiment en train de travailler et de mettre les briques petit à petit pour en ligne de mire les championnats d'Europe qui vont arriver en octobre. Et puis l'objectif, c'est d'avoir une équipe compétitive pour les Jeux paralympiques 2024 à Paris. Vous avez regardé Champion d'exception avec la mutuelle Intégrance. Ensemble, vivons l'esprit de solidarité. Votre programme avec Société Générale.